Au cours des derniers mois, les préconisations du gouvernement sur le port du masque ont été pour le moins contradictoires. D'abord jugé inutile, le port du masque est ensuite recommandé et sera finalement obligatoire dès demain dans les transports en commun, sous peine d'amende. Aujourd'hui, il n'y a aucune indication à acheter des masques pour la population française. Les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Je refuse de recommander le port du masque pour tous et jamais le gouvernement ne l'a fait. Notre objectif est que chaque Français puisse avoir accès à un masque, soit par la distribution commerciale qui peut exister aujourd'hui, et ils y sont très attentifs, soit par les collectivités locales qui sont engagées, soit par l'État. Les transports sont un des cas où le port du masque pourra être obligatoire à compter du 11 mai.